comme tu zoomes de trop, ça fait pas beau. Et d'abord de belles vues sur la cathédrale. Guerre perdue, franco-allemande de 1860. Était basée sur la surface habitable au sol. Grâce à cette technique de l'encorbellement, on a un premier étage. On sait aussi que les Normands ont découvert les vieux lavoirs où les lavandières venaient laver le linge de la bourgeoisie chartraine. Au premier plan, le moulin de Ponceau. À gauche, la collégiale Saint-André avec sa tour carrée. C'était le seul point d'eau potable de la ville au Moyen-Âge. Nous arrivons à la hauteur du pont Cougeux, qui porte le nom d'un chartrain bourgeois. Il a... Je te faisais avec des ventilos, des trucs comme ça. L'entrée de ville pour les gens venant de Paris. Cette portio fut détruite en 1000, il date du 15e siècle. Depuis ce point, vous aurez un joli point de vue sur la ville. To the right, Tyar Bridge. The mindset there. À droite, au numéro 20, une maison des l'église Saint-Pierre avec ses arcs coutants. L'église Saint-Aignan au milieu qui est très colorée à l'intérieur. Et naturellement la cathédrale. To the right, a very nice view of the... À gauche, les arcades des fleuries.
Parlez tous les cas de la question de la street is covered in. On sent que c'est collé sur le verre et en général la peinture est placée sur la face de grosse 1m10 et sinon les autres, ah, vous voyez, 80 cm. Les marteline, ce sont des verres qui peuvent être teintés. Les transparents, opaques. Vous voyez, on a différentes. Là, il y a de la feuille d'or, donc là aussi, on est sur quelque chose de opaque. Qui a récupéré, il avait permis de enregistrer. Allez, on vous attend. Allez, allez. Elle n'a pas été consacrée par le clergé. Non, pas du tout. Et ça, c'est pour son nom paysan, non? C'est le temps de l'autre.